Nous voilà à 11 degrés nord dans le sud de l'Inde. C'est un temps idéal pour le café. Et il y a des endroits dans le sud de l'Inde qui sont des montagnes de café. Je veux dire, ils font pousser du café ici. Pendant ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps à Coorg, et ces montagnes sont couvertes de café. C'est le pays du café. Dans quelques mois, courant février, janvier et février, le café se met à fleurir. Quand les plants de café sont en pleine floraison, toute la montagne devient partiellement blanche, du fait des fleurs blanches, des fleurs comme celles du jasmin. Et bien que les grains soient revigorants, le parfum des fleurs de café est absolument enivrant et captivant. Il est très difficile d'expliquer ou d'exprimer cette expérience. Je l'ai ressenti de nombreuses fois, et il y a quelques années, j'ai emmené quelques personnes à qui je voulais faire connaître et faire éprouver cela. Et étant là, dans une montagne de café, ou une caféière, comme on les appelle, je ne pouvais pas ne pas écrire quelque chose sur le café. Étant dans le Tamil Nadu maintenant, bien qu'on ne fasse pas beaucoup de café ici, au Tamil Nadu, à part à Yerkad, qui est à côté de Salem, les Tamils sont des buveurs de café. Ils se réveillent pour la journée, non pas à cause du soleil, mais principalement à cause du café. Et ils ont en quelque sorte maîtrisé la concoction. Probablement que le café filtre du Tamil Nadu se distingue de tous les autres dans le monde. Ils ont développé un système pour extraire le meilleur des grains de café. Même si vous leur donnez un café de très mauvaise qualité, ils vont produire un grand café. Voici une ode au café. Une ode au café. Tout comme la graine ne révèle pas la forme de l'arbre, l'innocence du visage de l'enfant ne révèle pas le sage ou le sorcier à venir. La blanche beauté d'une fleur, au parfum rivalisant avec le jasmin majestueux, ne révèle pas la folle concoction asservissante de tes grains. La moitié du monde s'est soumise à toi, l'autre moitié est soit ignorante de ta magie, soit devenue ascète et a refusé de succomber à toi. De toutes les ruses de l'homme pour extraire plaisir et nourriture du sein de la terre-mère, tu te distingues comme étant celle qui inspire une foi farouche et inextinguible. Tu as éclipsé le Seigneur de la Lumière. Tu as éclipsé le Seigneur de la Lumière. Car pour le fidèle, l'aube, c'est toi, pas le soleil.